J'ai bien dormi, moi. Et ça tombe bien, parce que le sommeil, c'est justement le sujet de Littoral, cette semaine. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné, c'est comment font les skippers pour gérer leur sommeil. Comment on passe de 7 ou 8 heures de gros dodo à terre, dans un bon lit, à des séquences de 15-20 minutes, quand ils sont en course. Parce qu'en mer, tout est différent. Il faut qu'ils gardent leur lucidité, leur vigilance, alors que le manque de sommeil, ça peut entraîner de vraies hallucinations et même, dans le pire des cas, une perte de conscience. C'est tout le sujet du film de Corentin Pichon qui s'appelle « Les portes du sommeil ». Le sommeil, c'est quand même un espace qui n'a pas été tellement exploré depuis peu de temps et qui représente le tiers de notre vie. Alors le tiers de notre vie, sans savoir ce que c'est, je pense que là, on a quand même un grand territoire à découvrir et à explorer de nouveau. Le sommeil, c'est un état de conscience modifié. Et c'est se laisser partir dans un autre monde où on sait qu'on va se réparer et qu'on va... Quand on va se réveiller le lendemain, on sera peut-être mieux que lorsque on s'est endormi la veille. Donc c'est un état magique, où il va y avoir une transformation. Le skipper va nous dire « je veux dormir très peu ». Faites-moi dormir, par exemple, 3 fois 10 minutes en 24 heures. Alors effectivement, nous, on leur dit qu'ils n'y arriveront pas, c'est-à-dire qu'ils n'arriveront pas à se ressourcer en 3 fois 10 minutes. Et donc, on leur donne un minimum vital, entre guillemets, pour rester lucide et pour rester en forme. On va installer maintenant quelques électrodes qui permettent d'avoir ton électroencéphalogramme. Donc là, ça enregistre quoi, du coup, les impulsions du cerveau? Ouais, ça enregistre l'activité électrique du cerveau. Et c'est comme ça qu'on va avoir des séquences de sommeil polyphasique et vérifier en fait quelles sont les ce qu'on appelle les fameuses portes du sommeil, hein, c'est-à-dire les endroits dans les 24 heures où tu es capable de faire rapidement du sommeil profond. A priori, tu veux me faire dormir combien de temps sur le Vendée Globe ? Eh bien, en fait, normalement, tu devrais dormir entre 4 et 5 heures par 24 heures, ouais. Par petite période. Tu sais que sur l'enregistrement à terre qu'on a fait, je t'ai trouvé un petit peu d'anxiété de fond, ouais. Une petite anxiété de fond. Alors c'est un stress qui est positif pour toi pour faire marcher le bateau, mais il faut que ce ne soit pas un problème pour s'endormir. Comme ça, je t'en ai déjà parlé, de toute façon, c'est clair que sur ces bateaux-là, il y a des moments avec une telle adrénaline, quand ça envoie à fond de nuit, enfin je ne sais pas comment font les autres, mais moi il y a des moments où j'ai du mal, malgré la fatigue, j'ai du mal à m'endormir. Tu as le bateau qui fonce dans la nuit noire, le vent qui monte... ça accélère, c'est quand même des bateaux assez impressionnants. Alors, peut-être qu'avec l'expérience, ça ira de mieux en mieux, mais c'est vrai qu'il y a un phénomène un peu stress qui peut m'empêcher de dormir.
plus fascinant pour un médecin du sommeil, c'est de découvrir le sommeil des autres sans qu'ils le sachent. Donc on a l'impression d'épier un peu, de rentrer dans un jardin secret physiologique, certes, mais on voit quelque chose que les autres n'ont pas, et après on aura la satisfaction de leur en parler et leur décrire. Le danger pour un navigateur comme Fabrice, en fait, c'est certainement la durée d'un coup de vent, par exemple, hein, la durée d'une météo mauvaise. Et plus cette météo dure, moins le skipper aura le temps de dormir. Et donc, est-ce qu'à ce moment-là, il ne va pas se mettre dans la zone rouge, c'est-à-dire dans un état d'aide de sommeil qui peut le conduire, en fait, aux hallucinations ou à cette fameuse inertie du sommeil? Le premier stade de l'hallucination chez moi, c'est l'hallucination auditive. Donc ça, c'est très fréquent. Dès que je suis un peu fatigué, j'entends la sirène des pompiers. Donc sirène des pompiers, voiture des années 80, donc vraiment le pimpon, voilà, de vieux pimpon, quoi. Et donc le deuxième stade, c'est l'hallucination visuelle. Là, j'ai plusieurs anecdotes. Sur la solitaire du Figaro en 2008, j'étais à la barre et là, je vois un énorme paquebot qui arrivait vers moi. En fait, les paquebots, la nuit, on les voit bien quand on est en mer sur des voiliers, parce que ce sont un peu des cathédrales flottantes avec énormément de lumière. Et donc, je vois cette espèce d'immense cathédrale flottante arriver, gros paquebot. Et donc, je change un peu ma trajectoire et le paquebot continue à arriver. Je modifie encore ma trajectoire. Le paquebot continue à se rapprocher. Je descends à la table à cartes, j'appelle, je donne ma position, j'appelle, personne ne me répond. Je commence à paniquer. Et au bout d'un quart d'heure, je réalise en fait que le paquebot, c'est un village, hein, et que je suis en train de foncer vers la terre et que je suis pas loin de m'exploser contre les rochers, contre la terre. On est des drogués de l'adrénaline, de l'excitation, du stress, de la situation dangereuse, de l'émotion. On dit qu'on devient accro à la solitaire du Figaro, aux courses qui manquent, où on manque de sommeil. On est accro un petit peu à cette ivresse-là, cet état un petit peu cotonneux, où on est un peu entre deux mondes. J'ai connu l'échouage aussi à cause du sommeil, du blackout. Ce sont des situations aussi qui sont... qui peuvent être dangereuses. Et quand je me suis réveillé, je croyais encore être en compagnie de ma femme à bord, parce que j'avais convoyé le bateau pour aller sur la course quelques jours avant. Et je sors du bateau, je la vois pas. Donc j'imagine qu'elle est tombée à l'eau, donc panique, je la cherche partout à bord, je vais à l'avant, dedans, je la cherche, je crie. Et puis au bout de quelques secondes, je me rends compte que elle n'était pas avec moi, j'étais en course. La terre et la mer, le sommeil est quand même complètement différent. C'est vrai que sur la terre, on ferme les vitres, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien, on est vraiment dans un cocon en fait. Dans ce genre de bateau, c'est une machine à laver, ça craque, ça couine, il y a les frottements de l'eau sous la coque, il y a les sifflements du gréement. Je pense que le plus chiant pour dormir, c'est le côté salé. C'est pas forcément le temps de sommeil, c'est plus le fait d'être trempé, d'être salé, que ça gratte, l'humidité, c'est affreux. Donc on dort dans des conditions, à des moments où on se demande dans la vraie vie, ce serait impossible de faire ça. Je veux dire, tu rentres le soir du boulot, on te file un ciré, on te fout 4 seaux d'eau dans la gueule, et on te dit, tiens, tu vas te coucher par terre sur un truc qui vibre et qui fait du bruit, où tu mets des boules caisses. Le mec, non mais t'as craqué. Mais nous, on le fait. Ça devient naturel, en fait. Les grands dangers, c'est de prendre les mauvaises décisions. On est dans un tel dette de sommeil que les hallucinations, c'est vraisemblablement des bouffées de sommeil paradoxal qui arrivent dans l'état de conscience. Et là, ça devient évidemment très dangereux parce qu'on fait n'importe quoi. Le cerveau a tellement besoin de diluer le stress qui est arrivé. Alors, quand on est, en privation de sommeil, qu'on a des émotions extrêmement importantes liées au danger, à l'environnement hostile, on peut comprendre que le rêve a un rôle clé pour justement pouvoir continuer à repartir, à dire « pas, venez me chercher, j'arrête, c'est totalement fou votre histoire ». Et donc ces bouffées de sommeil paradoxal,
Elles sont tellement fortes qu'elles arrivent dans l'état de conscience. En 2008, je prends le départ en solitaire d'une course vers les Açores, des Sables-d'Olonne. Et puis, j'affronte une première dépression, difficilement, puis une deuxième, puis une troisième, et je casse tout sur le bateau. Quand je dis je casse tout, je casse l'axe de barre et j'ai plus de pilote automatique. Et la mer commence à être vraiment grosse. Pendant 3 jours, je ne vais plus quitter la barre. J'ai pas le choix. Et au bout du 2e jour, ça commence à devenir insupportable. Donc je fais que m'endormir. Et je me ligote avec un bout dans les filières pour éviter de m'effondrer. Donc j'ai des phases complètement délirantes où je reste accroché à cette barre. Et puis au bout de ces 3 jours et 3 nuits, sans quasiment dormir, en tout cas par petites séquences, je craque littéralement. Et j'ai le sentiment, d'un seul coup, soudain, que j'ai quelqu'un avec moi sur ce bateau. Donc, mais complètement subitement, je me lève, je lâche la barre et je me dis, bah, ce coup-là, c'est bon. C'est un copain qui s'appelle Pierre, auquel je pensais. Pierre va prendre la barre, maintenant c'est tranquille, je peux aller me reposer. Et donc, je me suis mis dans la couchette, je me suis endormi, j'ai dû dormir 8 heures de suite. Et je me suis réveillé avec le mouvement des voiles, la barre qui montrait que le bateau errait sur les vagues. Et ma première pensée en me levant, ça a été de me dire que Pierre était tombé à l'eau. Donc je n'avais toujours pas repris conscience que j'étais parti en solitaire. Donc je suis parti dans une panique en me disant « c'est incroyable, il est tombé à l'eau, il faut que j'appelle les secours ». J'ai commencé à réaliser, à me rappeler que j'étais bien en solitaire sur ce bateau. Et j'ai tenu encore 2 jours et 2 nuits avant l'arrivée sans lâcher la barre. Et là, j'étais au bout de moi-même. Aller comprendre quelque chose. Le sommeil recèle encore de nombreux secrets, même si d'excellents livres ont été écrits là-dessus. Il y a quelque chose d'assez impalpable dans ce truc-là. On ne peut pas tout contrôler, tout monitorer, tout que ça soit parfait. C'est insaisissable, c'est quelque chose qui nous échappe. Si on veut tout bien faire, on va tellement se stresser qu'on ne va pas y arriver. C'est pas évident de dormir. Ce qu'on cherche, c'est avoir le sommeil le plus profond possible et le plus rapidement possible. Depuis que j'ai commencé à faire du bateau, j'ai un petit coussin. C'est un petit coussin fétiche dans lequel je me sens bien. C'est important que je le retrouve près de moi. Il y a un toucher. C'est la seule pièce du bateau qui passe de bateau en bateau. Il me convient bien en termes d'ergonomie par rapport à ma tête, le fait de le mettre sous mes bras. Voilà, c'est aussi important pour... j'ai besoin d'avoir ce petit doudou. Quelque part, je ne sais pas si c'est une réminiscence de l'enfance, mais c'est quelque chose qui est important aujourd'hui. Navigateurs, ils le disent eux-mêmes, parfois on a du sommeil qui n'est plus un sommeil de terrien, qui est un sommeil de marin. Ils sont d'une manière, ce que nous on appelle les scientifiques, des sommeils polyphasiques, donc extrêmement coupés. Et ce sommeil polyphasique, c'est quoi? C'est le sommeil de l'animal. Donc on revient à des notions qui vont beaucoup plus loin que l'homo sapiens sapiens, mais des notions d'où on vient. Ben, on vient d'un monde animal, d'un monde qui s'est construit au fur et à mesure de l'évolution. Et c'est ce type de sommeil que les navigateurs ont l'air de retrouver. T'as un bateau, tu vas naviguer toute la journée dessus, sans dormir. Il va être sous pilote, avec la même voilure. Tu vas pas te poser de questions. Tu vas te coucher, tu vas te poser 15 000 questions. Si le pilote lâche, si le vent monte, c'est des bateaux qui vont vite à 20 nœuds. Route de collision, quand on croise un autre bateau à 20 nœuds, bah, ça fait 40 nœuds. On est sur une nationale, quoi.
J'aime bien sur l'eau commencer mes rêves, quoi. Je vais créer le rêve de ce que j'ai vraiment envie de vivre. C'est-à-dire, ça peut être avec une personne, à un endroit. Donc, je vais monter mon film, en fait, dans ma tête et le lancer. On est seul, quoi. On est seul sur un bateau. Je trouve que s'inventer des histoires, c'est génial, quoi. T'es content d'aller te recoucher pour continuer, même si t'as fait 5 minutes de ton rêve, tu vois, pour continuer ton histoire, en fait. Du coup, ça te pousse à aller dormir, en fait. T'as envie, tu te dis, ah putain, faut que je continue parce que j'en étais là. C'est comme un livre, en fait. Tu finis le livre, tac. Bah, tu mets ton machin dedans, là, tu fermes le truc, puis mais attends. Et du coup, c'est un engrenage qui fait que tu as envie de continuer ton rêve. Et j'ai jamais fini un rêve. Mais en tout cas, c'est ce qui me permet de m'endormir, en fait. C'est vrai que souvent, on ne dit pas quand on va dormir ou en tout cas, on ne va pas s'en vanter ou faire en sorte que ça ne se voit pas quand on a un concurrent à côté. Parce que quand un concurrent va dormir, ça peut être le bon moment pour lui passer devant, justement en étant au taquet sur les réglages, et en reprenant peut-être la barre, justement, en abandonnant le pilote automatique. Donc ça peut être le bon moment pour le dépasser. Mais bon, à contrario, si je dépasse un concurrent qui est allé dormir, peut-être que 2 heures après, je vais aller dormir, il va me repasser devant. Donc bon, c'est un peu c'est le principe de la course, quoi, en fait. On est toujours en compétition les uns contre les autres, et c'est ça qui rend la chose passionnante. Alors déjà, c'est sûr qu'il ne faut pas psychoter. Après, c'est vrai que c'est toujours mieux d'arriver à s'endormir. Alors sans tomber dans le somnifère ou dans la bouteille de vin rouge qui vous endorme dans les 5 minutes, il y a effectivement cet aspect-là de l'imagerie mentale qui permet de s'endormir rapidement, faire en sorte que le corps soit détendu. Donc on commence par la tête, l'esprit, puis après on descend, on fait tout le corps jusqu'aux pieds. Et puis après, à la fin, on laisse une image un petit peu de plénitude, un moment où on s'est senti vraiment... bien. Et moi, cette image-là, c'est une image où je suis en famille, sur la plage, en Bretagne. Il fait beau, je suis en vacances, les enfants jouent. Et normalement, quand cette image de plénitude arrive, normalement, le sommeil arrive avec, quoi. Donc là, on est à combien là? On est à 15 jours? Là, on est à 15 jours du départ, ouais. Samedi, ça part dimanche. Donc, D'accord. Donc, les derniers trucs dont on a discuté, je crois que la première chose, bon, je t'ai amené là, c'est ce qu'on a testé, ce qu'on a évalué. Hein, c'est vraiment, donc, ça, cette réflexion sur l'importance de la lumière bleue sur la vigilance. Et donc, avec plusieurs niveaux d'intensité. C'est l'équivalent du café, de la caféine, sans les effets secondaires de la caféine. Ouais, t'as pas la... T'as pas... De toute façon, tu sais, je prends pas de café à bord. Bah, justement, tu vois, Je veux absolument pas d'excitation. Ah oui, parce que ça masque la fatigue, et après, tu peux faire des bêtises. Là, t'as absolument aucun effet sur le sommeil. C'est-à-dire que tu peux faire ça
parce que tu as besoin d'être vigilant pendant une heure ou deux heures, et si tu es en privation de sommeil, tu vas rentrer dans le sommeil sans un effet nocif de la lampe qui t'empêcherait de dormir, si tu veux. Si je fais ça pendant 10 minutes, est-ce que je vais pas pouvoir faire de sieste pendant une heure, deux heures derrière? Justement, non. Je peux faire des siestes. Tu peux faire des siestes. Tu peux faire des siestes. Tu sais, on l'utilise dans d'autres activités. C'est l'arme absolue, ce truc. La maîtrise du sommeil est vraiment une arme stratégique maintenant. Il est aussi important pour nous de suivre les gens après le Vendée Globe. Clairement, on peut se priver de sommeil d'une manière difficile pendant 3 mois qui durent un Vendée Globe, mais on sait que le système immunitaire s'effondre. On a eu des cas de pneumonie après un Vendée Globe, parce que le système immunitaire s'étant effondré, quand vous arrivez au Sable d'Olonne, il y a 100 000 personnes qui vous font la bise et dont certains ont la grippe. Donc là, à chaque fois, vous êtes bon. On a eu des cas de dépression. Attention, il y a du stress post-traumatique. Ils ont été en guerre par rapport à des éléments, parfois par rapport à eux-mêmes pendant 3 mois. Ça laisse des traces. Il y a une vraie part d'inconnu dans le Vendée Globe, déjà au niveau scientifique, à la différence de l'espace. Parce qu'à l'espace, les gens sont checkés. Thomas Pesquet, en ce moment, il fait des expériences scientifiques, il a des capteurs qui font que, même à distance, on sait ce qui se passe. Pour l'instant, dans le Vendée Globe, on ne sait pas. Parce que pendant 3 mois, dans des circonstances où ils prennent des paquets de mer en permanence dans un monde humide, on est limité par ce qu'on peut enregistrer. Je pense que c'est encore plus difficile de faire l'expérimentation sur un Vendée Globe que dans l'espace.